Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une recette de cake au citron, ultra léger, facile et rapide à faire, idéal pour le goûter ou pour le dessert. À noter que cette vidéo est en collaboration avec Sacré des Beaux. C'est un blog personnel qui encourage les jeunes artistes haïtiens à promouvoir leurs talents dans le monde entier. Alors, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager ces publications. Pour commencer la recette, je commence par séparer le blanc des jaunes de 4 œufs dans deux récipients différents, tout en prenant soin de ne pas laisser tomber de jaune dans le blanc. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Ensuite, j'ajoute 150 g de sucre blanc dans les jaunes d'œufs et je fouette énergiquement pour que les jaunes d'œufs puissent se blanchir avec le sucre. J'ajoute ensuite 100 g d'huile végétale, pour ma part c'était l'huile de colza. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle huile que vous avez à la maison. Ensuite, je vais rajouter le zeste et le jus d'un citron. Je vous rappelle que toutes les mesures exactes seront disponibles dans la barre de description. Ensuite, j'ajoute 250 g de farine. Ici, c'est un mélange de 150 g de farine blanche, 100 g de maïzena et une cuillère à café de levure chimique. Je mélange bien. J'ajoute la farine en deux fois pour qu'il n'y ait pas de goumeaux dans le mélange. Je continue de mélanger jusqu'à ce que ma pâte soit bien lisse. Je vous rappelle aussi que tous les liens seront disponibles en barre d'infos. Ensuite, je vais monter le blanc en neige. J'ajoute une pincée de sel dans le blanc et je vais fouetter énergiquement sans s'arrêter jusqu'à ce que le blanc se monte en neige. Il ne faut surtout pas négliger la pincée de sel, car c'est l'astuce pour avoir des blancs d'œufs montés en neige ferme. J'ajoute les blancs d'œufs en neige dans le mélange. Je mélange avec une maryse tout en prenant soin de ne pas casser les blancs d'œufs, en mélangeant délicatement. Et si c'est ta première fois sur ma chaîne, je t'invite à regarder mes autres vidéos qui sont disponibles pour le goûter ou le dessert en cliquant sur le petit i en haut à droite de la vidéo. Tu vas trouver une playlist à ce sujet. Ma pâte est prête. Je vais la verser dans un moule à cake déjà beurré et fariné. Et je vais la mettre dans mon four préalablement chauffé à 180 degrés tout en surveillant la cuisson. Voilà mon cake à la sortie du four. Il est très joli et ultra léger et je vous assure que le goût du citron est très agréable là-dedans. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter la vidéo. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos. Bye bye!